Bonjour à tous, Salbox, nouvelle vidéo sur FIFA 20, on est parti donc pour les premières récompenses Division Rival en vidéo. Mais tout d'abord je vais vous présenter mon équipe avec laquelle je vais faire mon premier FUT Champion. Je vais vous faire juste un petit aperçu rapide et ensuite on ira ouvrir les packs. Donc mon équipe, la voici. C'est une équipe qui ne coûte pas si cher que ça m'a coûté à peu près 200k on va dire. En sachant que j'avais pas Kenan Golan et que forcément j'ai eu Thorgan Hazard. Donc les latéraux, je vous conseille d'avoir des latéraux rapides. Dalbert Mbappé, clairement c'est parfait, ça court vite avec le petit style pour améliorer la défense et le physique. Franchement j'en suis plutôt satisfait. Après je prends quand même beaucoup de buts, on va dire que j'en marque beaucoup donc ça s'équilibre. Akanji Soule, c'est plutôt solide. Trap au cage, franchement ça fait le taf. Après les gardiens c'est un petit peu délicat. Mes 2-6, Witzel et Alan, franchement ils sont partout sur le terrain, c'est un vrai régal. On peut vraiment s'appuyer sur eux. En in-game, en fait, je passe en 4-2-3-1 avec Nainggolan en 10. Regardez ses stats, 48 matchs, 41 buts, 51 passes, c'est que du Division Rival. Franchement, Nainggolan en 10, c'est une machine de guerre. Ensuite, sur les couloirs, donc Thorgan Hazard, que j'ai eu en non-échangeable dans le pack garanti, dans le OTW garanti, pardon. Donc voilà, 35 matchs, 13 buts, 10 passes, ça fait le taf, ça fait de grosses différences sur le couloir. Mais Douglas Costa, je pense quand même que c'est un cran au-dessus. Je kiffe Douglas Costa, il fait des différences. Voilà, les 5 étages gestes techniques forcément aident beaucoup. Mais devant, que dire du char d'assaut Romelu Lukaku. J'allais dire 26, non. 33 matchs, 58 buts et 21 passes décisives. C'est tout simplement une machine de guerre. Après, je trouve que dans FIFA, il y a énormément de buts. Beaucoup de scores fleuves. Donc évidemment, voilà pourquoi il a de telles stats. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est une machine de guerre. Maintenant, on va se retrouver dans les packs pour les récompenses. Donc en Division Rival, j'ai terminé rang 1 de la Division 6. Le rang a dû se jouer au moins à 26 000 points, donc c'était compliqué. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai gagné 100 points pour FUT Champion, car il m'en manque encore un petit peu. Donc la qualif n'est pas encore validée. On va prendre les récompenses échangeables. Les packs sont déjà intéressants. Donc voilà, le rang 1 en Division Rival. Donc c'est Division 6, mais j'ai réussi à monter en Division 5. Donc semaine prochaine, ce sera des récompenses de la Division 5. On a quand même un pack à 45 000, un pack à 35 000 et un pack à 25 000. Franchement, c'est plutôt propre. On se retrouve dans la boutique. Alors nous voilà dans la boutique, on a 7 packs à ouvrir. Il y a également des petits SBC, des petits packs, des objectifs hebdo. On va attaquer direct, on va pas perdre de temps. Pack joueur or, c'est parti. Donc celui-ci est non échangeable avec un joueur or rare dedans. Pourquoi pas avoir un OTW, ce serait kiffant. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va au bout du tunnel? Non, on va pas au bout du tunnel. MOC espagnol, ça va être Valero, ça doit être la troisième fois que je pack. Ce joueur, c'est pas grave, Valero, donc en non échangeable. Évidemment, derrière rien du tout, c'est pas grave. Alors, on aurait un petit pack de joueurs rares, pareil, ça c'est avec les objectifs. Donc, celui-ci aussi sera non échangeable. Est-ce qu'on va avoir de la chance? Pas d'animation. On va pas au bout du tunnel. Gardien, ça va être Pop 79, qui était Tots il y a 2 ans, on s'en souvient. Avec Yannick Bolasie. Ok. Allez, maintenant le pack joueur Electrum Prime, donc il y a 6 rares, mais il y a également 6 joueurs or et 6 argent. Donc espérons avoir pas mal de joueurs or et rares. Toujours pas d'animation, hein, j'ai pas encore eu une seule fois la petite lumière qui clignote une fois de plus. Ça va être Ruben Neves 82. C'est pas terrible, on espère un petit peu mieux dans les packs qui suivent. Allez, maintenant on passe au pack méga, là, il reste quand même des packs intéressants, c'est parti. On espère au moins une fois avoir une animation. La petite fameuse lumière qui clignote une fois de plus, elle est toujours pas. Est-ce qu'on va au bout du tunnel, ça serait quand même bien. Toujours pas, on a vraiment du mal là. Moussa Kyo 80, dans un pack méga, ça pique un petit peu, c'est pas terrible. Évidemment, rien derrière. Allez, maintenant le petit pack joueur aura. Donc celui-ci c'est un SBC, c'est quand même assez intéressant, il m'a rien coûté, je l'ai fait seulement avec mes joueurs non échangeables que j'avais dans mon club. On espère avoir de la chance, et toujours pas d'animation. Par contre, on va au bout du tunnel. Polonais, MC. Oh, une carte boost, c'est cool. Ça va être Krikoviak 82. Donc on a une carte boost, c'est pas mal. C'est toujours bon à prendre, ça fait toujours plaisir. Parce qu'on a quelque chose d'autre derrière. Non, rien d'autre derrière, mais en tout cas, carte boost. Allez, maintenant on va voir le pack au rare. 3 joueurs au rare normalement dedans. Donc il y a moins de chances d'avoir une animation. Mais pourquoi pas, on espère en tout cas. Non, je crois pas que. Ouais, je crois pas que c'est terrible. Ouais. AD Brésilien, ça va quand même être Rafinha 79.
Il reste encore un pack à ouvrir, on espère, pourquoi pas avoir une animation. Allez, le dernier pack de cette vidéo, le pack joueur hors prime, c'est un pack à 45 000 crédits. Allez, ça fait quand même beaucoup de packs ouverts. S'il vous plaît, la petite lumière qui clignote, eSport. Mais non, toujours pas, on n'aura pas encore eu la première anime, mais on va même pas au bout du tunnel. Ça va être Odrio de Sola 80. Honnêtement, c'est pas terrible du tout. Mais bon, c'est pas grave, on prend. Bon, bah écoutez, on va clôturer cette vidéo là-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, il me manque 290 points. Pour me qualifier à Fate Champion, on va faire ça tranquillement dans la soirée. Rendez-vous demain pour un live, le tout premier live sur Fate Champion. Donc soyez au rendez-vous, je vais essayer, je pense, de live pas mal mon Fate Champion, que ce soit le vendredi, le samedi et peut-être le dimanche matin, selon les matchs qui me restera. Donc soyez au rendez-vous, en espérant que vous avez un petit peu plus de chance que moi dans les packs. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires. Donc moi, je vais vous laisser sur ça. Passez tous une bonne fin de journée. Rendez-vous demain, c'était Unbox.